Pourquoi on n'a pas un meilleur service de train en Amérique du Nord? Présentement, je suis à l'aéroport de Montréal pour une connexion vers New York. La connexion était supposée décoller à 18h30. Mais je viens d'apprendre, ça va pas décoller avant 21h45. La raison, c'est qu'il pleut à New York. C'est pas le déluge, là, c'est juste la pluie ben normale. Vous savez ce qui a jamais été arrêté par de la pluie ben normale? Un train. Et quand on y pense un peu, c'est pas comme si un train était vraiment beaucoup plus lent qu'un avion. Oui, le vol entre Montréal et New York est juste 1h45, mais pour la plupart des vols en Amérique du Nord, le temps dans les airs représente pas la grande majorité du temps de déplacement. Si on prend le vol Montréal-New York par exemple, je vais parler de lui parce que je le connais, mais c'est un des vols les plus populaires d'Air Canada. Centre-ville de Montréal jusqu'à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, c'est à peu près 1 heure avec un trafic normal. Pour les vols internationaux, c'est généralement recommandé d'arriver 3 heures avant le départ du vol. Mais bon, je sais que personne ne fait vraiment ça, alors disons 2 heures. Entre l'embarquement et le décollage, il y a généralement une autre demi-heure, 45 minutes, alors disons 30 minutes. Le vol lui-même, disons que les vents sont favorables, à peu près 1h30. Le débarquement, les bagages, si tout va bien, à peu près une autre demi-heure. Et après, se rendre à l'aéroport de New York, que ce soit LaGuardia ou JFK, au centre-ville, facilement une autre heure. Alors on parle de minimum 6h30 de centre-ville à centre-ville. Ça, c'est juste quand les choses vont bien. N'importe qui prend régulièrement ce vol-là va savoir que c'est pas rare qu'il soit retardé par à peu près une heure et demie facilement. Il s'agit juste qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il y ait des oiseaux sur le tarmac à l'aéroport. Alors, on a beau dire que le vol est 1h30, la réalité, c'est que le trajet total, on peut s'attendre à ce qu'il soit à peu près 8h. Puis ça, ben la réalité, c'est que c'est comparable à prendre le train entre Montréal et New York. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça, malgré le fait que nos infrastructures ferroviaires se basent sur de l'infrastructure, des protocoles et de la technologie complètement désuètes. La vitesse maximale du train entre Montréal et la frontière des États-Unis, je pense, c'est quelque chose comme 70 km/h. On n'a pas de centre de pré-dédouanement. Je pense qu'il y a juste 2 ou 3 douaniers qui font le train au complet. Alors, ça prend 2 heures à passer la douane. Si on mettait la moitié des ressources dans les chemins de fer qu'on met dans les aéroports, je suis convaincu qu'on pourrait réduire le trajet à 4h30, même 4h. Ailleurs dans le monde, ils traversent des distances beaucoup plus grandes en beaucoup moins de temps. Puis en plus, ça coûte une fraction du prix. Sans dire que c'est un voyage qui est tellement plus agréable aussi. Pas de long trajet d'autobus ou de taxi vers l'aéroport, pas besoin de se déshabiller à la sécurité, pas besoin d'être assis crampé dans un petit siège. Dans le train, t'arrives, tu t'assois à une table, puis tu peux passer la journée à travailler calmement et tranquillement si tu veux. Tu peux te lever, marcher comme tu veux, tu peux aller au wagon-restaurant si tu veux manger. C'est une expérience qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus luxueuse, qui coûte une fraction du prix et en plus qui pollue beaucoup, beaucoup moins. Pourquoi on n'investit pas là-dedans, je sais pas, mais ça me semble un choix qui est tellement évident.